Alain Robbe Grillet, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, http://fr.wikipédia.org. Alain Robbe Grillet, né le 18 août 1922 à Brest, dans le Finistère, et décédé le 18 février 2008 à Caen, dans le Calvados, est un romancier et cinéaste français. Considéré comme le chef de file du nouveau roman, il a été élu à l'Académie française le 25 mars 2004, sans être reçu. Son épouse est la romancière Catherine Robbe Grillet. Biographie. Fils d'ingénieur, Alain Robbe Grillet suit ses études au lycée Buffon, à celui de Brest, puis au lycée Saint-Louis. Il entre à l'Institut national agronomique à Paris, dont il sort diplômé ingénieur agronome. Il est chargé de mission à l'Institut national de la statistique à Paris, de 1945 à 1948, puis ingénieur à l'Institut des fruits et agrumes coloniaux, au Maroc, en Guinée française, à la Martinique et à la Guadeloupe, de 1949 à 1951. Il se consacre ensuite à la littérature. Son premier roman, Les Gommes, paraît en 1953. On le considère parfois comme le premier nouveau roman, mais l'expression n'apparaît que quelques années plus tard sous la plume d'un critique. Assez vite, Robbe Grillet se fait théoricien du nouveau roman. En 1963, paraît Pour un nouveau roman, recueil d'articles publiés notamment dans l'Express. Entre 1955 et 1985, il est conseiller littéraire aux éditions de Mimi. Il travaille également pour le cinéma, notamment sur le scénario de L'année dernière à Marienbad, réalisé par Alain Resnais en 1961. Les films qu'il a réalisés oscillent alors entre érotisme et sadomasochisme. Il était connu pour être un adepte du sadomasochisme, comme sa femme, Catherine Robbe Grillet. Peu à peu, ses romans se sont tournés vers l'érotisme et vers l'autobiographie fantasmatique, romans qui ont parfois été plus appréciés à l'étranger, notamment aux États-Unis, qu'en France, au moins du point de vue des universitaires. Il participe également au Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française entre 1966 et 1968. De 1972 à 1997, Alain Robbe Grillet enseigne aux États-Unis, à l'Université de New York et à la Washington University de Saint-Louis, dans le Missouri, et dirige le Centre de sociologie de la littérature à l'Université de Bruxelles entre 1980 et 1988. Élu à l'Académie française, au 32e fauteuil, succédant à Maurice Reims, le 25 mars 2004, il n'a jamais prononcé son discours de réception, refusant le port de l'habit vert et cette tradition qu'il considère comme dépassée, provoquant ainsi l'impatience des autres immortels. Son décès ayant eu lieu avant que le problème ne trouve de solution, il n'a jamais siégé à l'Académie française. Alain Robbe Grillet est mort dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 février 2008 d'une crise cardiaque. Ses œuvres. Roman. Un régicide, 1949. Les Gommes, 1953. Le Voyeur, 1955, qui reçoit le prix des critiques. La Jalousie, 1957. Dans le Labyrinthe, 1959. La Maison de Rendez-vous, 1965. Projet pour une révolution à New York, 1970. Topologie d'une cité fantôme, 1976. Souvenir du Triangle d'or, 1978. Jean, 1981. La Reprise, 2001. Un roman sentimental, 2007. Nouvelles.
Instantané, 1962. Essai. Pour un nouveau roman, 1963. Le voyageur, essais et entretiens, 2001. Fiction à caractère autobiographique. Le miroir qui revient, 1985. Angélique ou l'enchantement, 1988. Les derniers jours de Corinthe, 1994. Filmographie. En 1961, l'année dernière à Marienbad, scénario et dialogue en collaboration. 1963, L'Immortel. 1966, Trans-Europe Express. 1968, L'Homme qui ment. 1971, L'Éden et après. 1974, Glissement progressif du plaisir. 1975, Le jeu avec le feu. 1983, La belle captive. 1995, Un bruit qui rend fou, co-réalisé avec Dimitri Leclerc. 2007, C'est Gradiva qui vous appelle. Lien externe. Alain Robbe-Grillet, bibliographie. Conférence au Mexique, Alain Robbe-Grillet, Iliana Troncoso. Benoît Peters, entretien avec Alain Robbe-Grillet, 2 DVD vidéo, aux Impressions Nouvelles, 2002. 7 propositions sur Alain Robbe-Grillet par Philippe Sorel, édition telle quelle, 1960. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/copylefp/